Couleur 3. Couleur 3. Bonjour, Jean-Brian. Salut, Simone. Mon nom exact est Simone Adolphe. Je sais, mais le chef ici, c'est Bibi. Alors si j'ai envie de t'appeler Simone tout court, je t'appelle Simone tout court et puis c'est tout. Mon nom exact est Simone Adolphe. Non mais t'es bouché ou quoi? Je viens de te dire que... Oh mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça marche plus maintenant? Oh, rallume-toi machine. Oh, rallume-toi. Bonjour, Jean-Brian. Bah alors, c'était quoi ce bug, hein, Simone? Mon nom exact est Simone Adolphe. Ça recommence. Bon bah, j'ai pas que ça à faire. Alors aujourd'hui, on va à la rue des Écureuils 12. Oh mais... Oh putain, mais qu'est-ce qui se passe encore? Rue des Écureuils 12, j'ai dit. Mais... Oh, pas possible, ce machin. Lors de mes réglages initiaux, vous avez entré les noms Simone et Adolphe. Je réponds désormais au code d'identification Simone Adolphe. Et alors? Et alors, il vous reste un essai, après quoi je me bloquerai et il vous faudra faire réinitialiser mes réglages chez votre revendeur agréé. Oh putain. Attention, Jean-Brian. Quoi? Il vous reste un essai. Mais j'ai rien dit là. Si, vous avez dit oh putain. Ouais mais ça c'est une expression. Négatif. Putain est un terme familier qui remplace les mots prostituée ou péripatéticienne. Péripatéticienne, personne qui fait commerce de ses charmes. Ouais mais putain, c'est aussi le genre de truc qu'on dit comme ça pour se calmer ou pour montrer qu'on est content. Je ne comprends pas. Bah non, parce que t'es qu'une machine et les machines c'est pas très subtil. Pouvez-vous me donner un exemple? Ouais bah, par exemple, quand tu regardes un match de foot et que ton équipe marque un but, là tu peux dire « Oh putain, c'est trop beau !» Mais ça c'est quand on est heureux, tu vois. Oui, Jean-Brian. Ou alors sinon, quand tu regardes un match de foot et que ton équipe s'en prend un dans la lucarne, là tu peux dire « Oh putain, mais c'est pas vrai !» Tu vois la nuance? Oui, Jean-Brian, mais à quel moment utilise-t-on le terme « putain » pour définir une femme qui fait commerce de ses charmes? Ah, bah ça par exemple, quand tu croises une fille avec une mini-jupe à ras-le bonbon et du maquillage plein la gueule, bah là tu peux dire « putain », tu piges? Oui, Jean-Brian. Information enregistrée. Bon, alors très bien, maintenant on va chez ma mère, chemin des Écureuils 12. Calcul de l'itinéraire, arrivé dans 7 minutes, tournez à gauche. À gauche? T'es sûr? Parce que d'habitude je prends toujours à droite. Hein. Vous avez choisi l'itinéraire le plus court, tournez donc à gauche. Eh mais ouais, ouais, j'étais jamais passé par là, c'est vrai que ça va plus vite. Continuez tout droit jusqu'à la putain, vous êtes arrivé. La putain? Non mais oh, tu déblaques. Non, le numéro 12 se trouve au même emplacement que la putain sur le trottoir. Mais y'a personne sur le trottoir à part ma mère. La personne sur le trottoir porte une jupe et du maquillage à outrance. D'après les informations que vous avez enregistrées, c'est une putain. Mais non, ça c'est ma mère, je te dis. Bonjour mon chéri. Bonjour putain, bienvenue. Mais qui c'est qui me parle? C'est toi, chérie? C'est rien, maman, c'est rien du tout. La putain doit attacher sa ceinture de sécurité. Oh putain, mais il est où le volume, là? Il est où? C'est rien, maman. Je répète, la putain doit attacher sa ceinture de sécurité. Ta gueule, toi. Putain. Ta gueule. Putain. Oh. Putain. Putain. La putain doit attacher sa ceinture. Ouais, bah sécurité. Ta gueule, tu dois la fermer, toi. La putain doit ta attacher gueule. Sa ceinture. Ta gueule. Il est où le putain de volume, hein? C'est rien, putain, maman. Ta gueule, chérie. Pute, 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 mais qu'est-ce que... Mais c'est quoi, ça? Hein? Putain, c'est quoi? Putain. C'est rien, maman. Je t'emmène faire les courses. Radio Suisse romande, couleur 3 sur rsr.ch.